Bon, voici mon match de chance de cette première semaine du mois de mai. Avec Buzzer. Mais disons-le que Esprit, c'était rushant. Parce que souvent, quand j'essayais de l'attaquer avec mon Buzzer, il se protégeait, me donnait des coups d'honneur ou bien m'attrapait. Puis regardez, il cherche souvent son B. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Parce que je suis préparé à ça. Les attaques spéciaux. Soyez précis dans vos tirs. C'est tout ce que tu sais faire, toi, c'est ça. Puis après ça, me smasher. Ben, bravo. C'est ça qu'on fait dans ce temps-là quand ça marche pas. On a encore un coup d'honneur. Au moins, il m'attrape pas. Pour le moment. Mais ça peut toujours arriver que mon ami va m'attraper, puis ça va être juste ça. Pendant un petit bout de temps. Donc, c'est bon, ça, quand même, réussir un smash comme ça. Je ne mettrai pas les pourcentages que m'ont infligé pour ma première vie. Ça va être la dernière qui va être la plus importante. J'aurais survécu à un assaut qui aurait pu être mortel pour moi. Bon, quand même, hein. Ça, quand même, c'est quand même des bonnes choses quand tu produis, hein. Bon, maintenant, allons-y. Là, j'étais à 68% pour le moment. Bon, aucun danger. Hop, ça l'a comme accroché. Mais rien d'autre à faire que de faire ce super saut-là. Comme que je vous disais, personne n'est capable de défier mes attaques aériennes. Hein? En voilà déjà une preuve, ça. Ce qu'il est capable de faire, c'est son super saut. Ben, bravo. C'est pas cet assaut-là, en tout cas, qui a failli être mortel. Il fallait que je kill un peu là, ça marche. Ouais, j'enchaîne des bons coups. Encore le honneur. Oh, ça a un peu raté. Je pense que c'était à ce moment-là qu'il ne pouvait plus utiliser son livre. Ouais, c'est ça, son livre est plus là. Fait que là, c'était le bon moment pour le frapper. Dès que j'ai dû patienter tout ce temps-là. Et c'est ici l'assaut qui a failli être mortel contre moi. Regardez, encore une fois, il cherche son B. Il n'ose pas. Comme c'est un joueur défensif qui jouera bien, c'est bien normal. Oh, regardez son livre n'est plus là. 697%, non, toujours vivant. Regardons maintenant mon coup mortel. Je termine quand même dans le droit de se concentrer, comme qui était avec mon Draco Feu il y a quelques mois. Je vous avais montré un match en mort subite contre un japonais qui jouait Robin. J'ai fini par l'emporter en mort subite, puis en plus de ça, il m'avait volé un point entre temps. Puis qu'est-ce qui avait fait la différence? Genre, ok, c'est quand il m'a lancé son embrasement de feu. J'ai sauté. Comparativement, lorsque j'étais Yoshi, le match précédent dans Battlefield. Le champ de bataille. Puis avec mon chemin dans les airs sur le côté, j'ai pu l'avoir même si c'est protégé.
le coup a fonctionné puis j'ai gagné ma mort subite. Puis ici, ça fait pas dans les mêmes circonstances, mais avec son attaque food qui essaie de charger au maximum pour m'avoir. Puis j'ai directement, tout a été parfait. Un très beau match qui s'est terminé par beaucoup de chance. Et ce qui a pu me qu'est-ce qui a pu me faire respirer un peu, c'est que il pouvait plus utiliser son livre pour faire ses attaques spéciaux à part son super saut. C'est ça qui est arrivé ici. Puis c'est l'une des premières fois que je vois ça. Enfin, peut-être pas, mais la deuxième fois, parce que c'est déjà arrivé qu'à un moment donné, j'avais perdu mon lit, mais je savais pas pourquoi j'étais plus capable de faire des attaques spéciaux avec Robin. Fait que si on abuse trop des attaques spéciaux, ben c'est ça qui peut arriver à un moment donné. Robin ne peut plus utiliser sa magie contre ses adversaires, fait qu'il peut devenir vulnérable au coup de nez à ses adversaires. La seule manière qu'il pourrait intercepter, c'est avec son épée. Bon ben c'est ça qui est ça là. En tout cas, bel essai Caleb. Puis c'est ça, j'espère qu'au moins qu'avec tout ça vous me défieriez un peu plus, pas juste au sol.